gars, bienvenue chez AMS et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Nicolas Fiesman. Nico, comment vas-tu ? Mais plutôt pas mal. Allez, super. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour tout le monde ? Ouf. Ben voilà, je suis musicien depuis mon plus jeune âge, aussi loin que je me souvienne. Voilà, la musique était présente et à la maison et en moi. Et j'ai commencé la guitare, jouer de la guitare, je pense que je dois avoir 10 ans plus ou moins. Ok. Chose comme ça. Quel parcours, voilà, j'ai eu un professeur de guitare du nom de Benjamin Bertrand qui me donnait des cours de ragtime plutôt, guitare folk, picking, tout ça. Et j'écoutais beaucoup de musique autre que celle-là d'ailleurs, plutôt les Beatles, une espèce de omnubilé par les Beatles. Et puis j'ai rencontré Philippe Catherine quand j'avais 11 ans, qui a accepté de me donner cours, quelques cours, et puis très très vite, voilà, on s'est mis à jouer ensemble, on a commencé même à faire quelques concerts avec lui. Et donc ça c'est pour la guitare au départ en tout cas, et puis je suis passé à la basse suite au gros choc Pastorius évidemment. Vers l'âge de 13-14 ans, comme ça, par là. Et je dois bien dire que le téléphone a commencé à sonner à partir de ce moment-là. Ok. Quand t'es passé à la basse ? Oui. Ok. Bah, disons que c'est un instrument sur lequel je suis peut-être plus à l'aise que sur la guitare. Ok. Même si j'adore jouer de la guitare. Ouais. Mais pendant de longues années, je me suis plutôt concentré là-dessus. Ok. J'ai commencé à faire des séances très tôt, très jeune. Ouais, j'avais 15 ans, je crois. 14-15 ans quand j'ai fait mes premières séances de studio. J'ai pas vraiment arrêté depuis. T'as grandi dans les studios, quoi. Oui, j'ai passé beaucoup de temps. Ouais, ouais. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement. J'aime bien l'aspect laboratoire. Recherche. Je me sens en sécurité probablement dans les studios, voilà. Mais parallèlement, j'ai continué à jouer de la guitare. Et puis j'avais cet avantage peut-être de... Quand on m'appelait pour des séances de basse, de me dire, tiens, vous voulez pas que je vous fasse une petite partie de guitare aussi, je peux le faire. On m'appelle un petit peu pour les deux. Ok. Et actuellement, tu prends plus de plaisir sur la basse ou sur la guitare, ou bien c'est kiff-kiff ? C'est deux choses différentes, mais encore une fois, je pense que naturellement, je me sens plus à l'aise avec mes 4 ou 5 cordes, mais j'adore jouer de la guitare, ça fait partie de moi, c'est mon premier instrument. Ok. Ça reste important. Ouais, ça reste important, ouais. Si tu devais garder une idole guitaristique qui t'a vraiment un peu façonné quand tu as appris la guitare, ce serait qui ? Bah, clairement Philippe Catherine, voilà. Okay. Il a été déterminant à plein niveau, musicalement, mais humainement aussi. Voilà, il m'a permis de rencontrer et de jouer avec énormément de musiciens, donc c'est clairement, je lui dois beaucoup. Okay. Mais bon, il y a d'autres guitaristes, je suis grand fan de George Harrison, David Gilmour, des gens comme ça. Mais voilà, il y a tellement de gens qui ont marqué l'histoire et qui la marquent toujours. D'ailleurs. Ouais, bien sûr. Mais il y a un guitariste que j'affectionne aujourd'hui particulièrement, qui me bouleverse. Assez bien, c'est Bill Frisell. Ok. Je trouve qu'il a tout compris. Ok. Ben, j'irai voir parce que comme ça me dit rien, mais. J'irai voir. Tu devrais. C'est quelqu'un d'absolument essentiel, je trouve, dans le paysage musical. Il a réussi à. Enfin, sa musique est très très riche et très très riche de simplicité. Voilà. Ok. Ben, super. Écoute, je vais aller voir ça. On a la chance de t'avoir aujourd'hui entre deux tournées pour parler de ton ampli, de ton matériel AMS. Et
tu as choisi New Kicken 40. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu t'es dirigé vers cet ampli et pas par un autre, en fait. Qu'est-ce qui t'a marqué la première fois que tu l'as plugué? Mais je crois sa simplicité. Ok. Voilà, je suis vraiment pas un geek de matos. Ça m'intéresse pas. Mm-hmm. Enfin, comme tout le monde, j'aime bien avoir du beau matos, j'aime bien avoir des jolies guitares. Mais c'est vraiment pas quelque chose de très important pour moi. Voilà, je peux me retrouver en studio et jouer sur une guitare qui traîne dans le studio et toute pourrie. Mm-hmm. Mais voilà, il n'y a que celle-là. Donc il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente, elle et moi, mm-hmm. pour coller au projet sur lequel on collabore. Ouais. Quoi, voilà. Donc encore une fois, voilà, le matériel n'est vraiment pas une fin en soi pour moi. Mm-hmm. Et j'aime la simplicité. Donc, j'ai envie d'avoir un instrument dans les pattes. Et si je le plug dans un ampli, j'ai envie que ça sonne tout de suite. Ouais, j'ai vraiment envie de passer du temps à chercher le son. Non. Branche, ça marche, super. Okay. Et c'est un peu le cas, enfin c'est carrément le cas avec cet ampli qui est d'une simplicité crasse, quoi. Voilà, mm-hmm. Il y a rien. Il y a une reverb, un gain, un master et un tone. Un tone, ouais. Voilà. Et j'adore ça. Moi, si je pouvais avoir une guitare avec un micro et un potard, et encore le potard, voilà, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement nécessaire. Mm-hmm. Donc ça me convient très 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 bien. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand j'ai joué sur cet ampli, après en avoir essayé quelques-uns, dans cette maison, j'aimais bien sa simplicité, ouais, c'est ça. Qui me convient bien, parce que je pense que, enfin dans mon cas en tout ouais, cas, bien sûr, bien sûr. Je m'adapte à la situation musicale dans laquelle je me trouve, et je pense que ça se passe plus dans mes doigts que je dis ça sans aucune prétention, non, je ne prétends bien sûr, pas bien sûr. Réussir à tous les coups, tu mmh, vois, mmh. Mais voilà, je m'adapte. C'est plus ma musique qui va s'adapter au projet plutôt que le matériel et l'instrument et le matériel qui mm-hmm. va avec, quoi. Oui, c'est ça. Donc ouais, c'est vraiment, tu fais plus travailler tes doigts que l'ampli. J'ose espérer pouvoir apporter quelque chose à la musique que j'ai à jouer par ma musicalité plus que par le décorum. Ouais. Voilà. Ok, mais c'est chouette que tu dises ça, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui choisissent de jouer sur Hurricane et sur la série Hurricane, c'est un peu le même ressenti qu'ils ont. Donc c'est, on branche, on allume, on met tout à midi et c'est parti, quoi. Oui, donc, oui, et tout va bien, quoi. Oui, c'est ça. Tout va bien très très vite, le son est super pur et réagit extrêmement bien à ma manière de jouer, ouais, si ouais, je ouais. joue doux ou moins doux. Ouais, 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 ouais. Et je trouve que ouais, on s'entend bien tous les deux. Ok. Et enfin, tous les trois pour ouais. le coup. Et du coup, est-ce que tu l'utilises principalement sur scène ou plus en studio ou bien les deux ou... Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser en studio. Mm-hmm. Pour la bonne et simple raison que voilà, j'ai pas ça fait. Voilà, regarde, ça c'est pas présenté. Ouais, ouais, ouais. Le boulot de musicien de studio est malheureusement, là, je fais une aparté, mais ouais, ouais. est un métier qui est un petit peu en train de disparaître, à ma grande tristesse. Mm-hmm. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'argent pour faire des albums et tout se fait à la maison. C'est chouette aussi, mais il y a tout. Voilà, je fais partie des derniers musiciens qui ont connu l'âge d'or de ce métier, quoi, mm-hmm. qui est un métier noble, je trouve, mais qui est en train de péricliter complètement. Donc, de fait, voilà, il y en a beaucoup moins qu'avant des séances, donc j'ai pas encore eu l'occasion de me balader avec l'ampli en studio, mais je ne désespère pas que ça se passe. Mais je l'ai utilisé sur scène et je dois dire qu'il répond totalement aux attentes que j'en avais, quoi. Mm-hmm. Ok, donc je suppose que tu utilises un petit pédalier avec 2-3 effets juste pour dire de répondre à quelques textures différentes. Oui, suivant les cas, quoi. Mm-hmm. Mais effectivement, là, j'ai amené un petit pédalier. Bon, ça marchait pas des masses aujourd'hui.
Malheureusement, ouais, de ça. Buzz, ouais, parce ouais. qu'il tenterait à prouver que mon pédalier est plutôt pas super isolé. Ouais, voilà. Ton pédalier ou plutôt les lumières qui sont pas super. C'est un mélange de tout. Mais voilà, encore une fois, comme je suis pas un geek de matos, je fais pas très attention à cela. Donc voilà, parfois il y a des problèmes inhérents ouais. à mon manque d'efficacité. En tout cas, ou mon manque d'intérêt. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça. Matos. Ouais. Mais oui, j'utilise pédalier, donc et je trouve que cet ampli réagit plutôt bien aussi, que je lui mette un drive entre la guitare ouais, et ouais, lui. Ouais. Voilà, il perd pas de sa couleur, mais voilà, je peux rajouter un peu de listo, les reverbs que je peux rajouter, même si la reverb interne est super. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'aime bien utiliser de temps en temps des effets un peu plus larges, un peu plus longs, des longs reverbs, genre ouais. Fleet, Steinman, des choses comme ça, mm-hmm. qui faire des envolées un peu planantes. Ouais, ouais. Et voilà, et ça match assez bien. Ok, super. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de ton matériel. Du coup, est-ce que tu pourrais parler un peu de ton actualité, les prochains concerts, les prochains projets, sur quoi tu travailles pour le moment, un peu faire le tour de toi, quoi. Bah écoute, voilà. Pour l'instant, je suis en tournée avec Zazie, okay. ma vieille copine Zazie, avec qui j'ai rempilé une petite tournée qui s'échelonne encore pendant quelques semaines. Mm-hmm. Et, s'en suivront des concerts avec Francis Cabrel qui en repart pour quelques dates. What? On tourne ensemble depuis. Je tourne avec lui depuis 2015. Toujours à la basse, ça? Basse et guitare d'ailleurs, je joue un peu de guitare aussi dans quelques titres, mm-hmm. suivant les concerts, voilà. Alors, parfois. Ouais. La guitare et j'en joue. Ouais. En essayant de pas trop marcher sur ses pattes à lui, et du guitariste officiel du groupe qui est Freddy Coella, qui est un super musicien. Donc il y a ça, quelques concerts avec Dominic Miller aussi, guitariste de Sting. Bien sûr. Avec lequel je joue depuis pas mal d'années maintenant, et là plutôt à la basse. On a quelques dates dans les mois qui viennent, et puis l'année prochaine, une assez longue tournée, je crois. Avril et mai ah ouais. 2024. Et donc parallèlement à ça, je commence à bosser un petit peu, enfin ça fait un petit temps déjà, mais dans l'idée de peut-être faire un deuxième album perso, parce que j'ai fait un album qui est sorti il y a un an. Qui est magnifique après. D'ailleurs, je l'ai écouté, magnifique. Merci beaucoup. Album que je pensais absolument pas faire, ça faisait pas partie de mes fantasmes du tout de faire un projet perso mm-hmm. comme ça. Mais bon voilà, il se fait que ça s'est présenté, donc je l'ai fait, je suis ravi de l'avoir fait. On a fait quelques concerts pour ça, et j'aimerais bien en trouver d'autres, donc mm-hmm. s'il y a des tourneurs qui nous contactent, je serais ravi de collaborer. S'ils peuvent me trouver des dates, ce serait super. Mais donc voilà, peut-être commencer dans l'idée de peut-être faire un deuxième album et chouette, super. D'aller le défendre. Voilà. Super, trop cool. Mais écoute, je te remercie encore une fois infiniment de ton temps, d'être venu aujourd'hui à l'atelier pour montrer ton ampli. Et les gars, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à bientôt. Ciao. Bye.